Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboid. On est avec Slan, salut Slan. Coucou. On est avec Katox, salut Katox. J'ai faim. Y'a plus de bouffe. Si, normalement j'ai posé des biscuits et tout, des trucs relativement mangeables, y'a aussi des bananes ou des trucs du style dans le frigo. Où ça? Des biscuits. Dans le frigo. Et on est avec Damned aussi, vous m'avez même pas laissé finir. Bonjour Damned. Champignons vénéneux. On va pas manger des champignons vénéneux. Mais non, mais bon, je suis pas des champignons vénéneux, j'avais posé des bananes normalement. Qu'est-ce que vous avez foutu? Mais quelqu'un a déjà mangé les bananes? Bah, quelqu'un a mangé les bananes, écoutez. Il y a des œufs crus, il y a des citrons verts. Mange un œuf cru, c'est bon pour la santé. Bah, je vais vous préparer un truc, bougez pas. Toc. On va partir en expédition et on a même pas à manger. Et aussi, prenez une bouteille d'eau. Ah, on peut avoir des bouteilles d'eau, c'est bien ça. Oui, parce que sinon, vous allez retrouver là-bas un peu. Ah, un peu bête. Des bouteilles d'eau, c'est vrai ça. On va mettre des champignons vénéneux frais. Mais c'est con, pourquoi ça s'appelle champignons vénéneux quoi? Champignons vénéneux frais. Bah ça va s'ils sont frais. C'est ça ouais. Ça va bien se passer, je pense. Est-ce qu'on prend la Mystery Mobile pour y aller? On va prendre les deux voitures ouais. Alors. Les deux qu'on peut conduire. Moi j'étais obligé de changer mon personnage, donc du coup je redémarre à zéro, hein, j'ai plus rien. Pour correspondre un petit peu à ce qui manquait, parce que on a regardé les talents. Et il se trouve qu'on avait, à part le signe qui s'est tout faire, on manquait de personnes pour aller faire du piégeage, de la recherche. On n'avait pas de premier secours, on n'avait pas de couture, donc j'ai pris tout ça. Premier secours, couture, piégeage, recherche. C'est évidemment au sacrifice d'autres choses. Donc j'ai toujours les talents de vivacité et de discrétion. Voilà. En agilité, j'ai toujours course, discrétion, vivacité, furtivité, j'ai toujours les 4. Mais par contre, j'ai plus les petits talents qui me permettaient d'être encore plus discret et encore plus tout ça. J'ai pris Nyctalope par contre, parce que pour aller dans la forêt, c'est important. Déjà qu'on voit rien. Alors, et quand je suis réapparu dans une maison où il y avait des clés et une bagnole devant. Oui, donc, c'est vrai que bah, ça voilà. C'était le petit coup de chance du début de partie. Quoi. Et du coup, je me suis fait ravitailler en essence et on est rentré avec. Moi, je suis prêt à partir. Bah, je suis en train de vous faire un sauté de pommes de terre là. Vous aviez pas faim? Si, bah, on a bouffé les carottes crues du coup. Oh là là, quelle bande de gorée. Il n'est pas encore cuit là. Bah, je suis en train de ranger. Je fais une petite. L'étagère du fond, ce sera tout l'endroit pour le truc. Ça me marque que c'est dangereux ton truc. Bah, c'est dangereux cru. C'est en train de cuire là. C'est pas fini de cuire encore. Tu attends que j'ai dit que c'est fini de cuire. On sait quand même parce que j'ai une bouilloire remplie d'eau, je voulais utiliser comme bouteille, j'ai un grand verre dans mon inventaire mais il me propose que verser par terre. Ça crame là. Voilà, c'est bon, tu peux manger un morceau. C'est plus dangereux là, mais c'est moins 65 de faim maintenant. C'était moins 50 tant que c'était pas cuit. Manger. Ouais mais manger, si manger. Je mange tout. Non je veux pas le manger parce que tu peux manger y a plus rien. Tu peux manger un quart ou une moitié normalement. Non, moi j'ai plus faim, allez hop, je suis dans la voiture. Par contre, moi j'ai extrêmement faim donc. Bah, Katox, c'est manger une moitié chacun, ouais. Ouais, je vais au moins manger la moitié. Je suis même pas sûr que ça me suffise, on va voir. Vous avez pensé à vider la voiture? Pas. Normalement, oui, on a vidé le coffre. Bah, y'a encore des trucs dedans. Ah bon? Ah. Dans la voiture que j'ai ramenée. Ouais, mais y'avait des livres et tout et on les avait virés. Non, bah. Moi je pose ça au sol, là. Bon bah moi je monte avec Damned. Je sais même pas si on a la clé de cette voiture. Hop là. Moi je vais aller regarder. Prendre une veste. Attends juste. Hop. J'ai hey, on peut direct monter. On peut direct monter dans les. À l'arrière. Sur les côtés ouais. Ouais bah oui il y a des portes arrière. Hein. C'est ça qui est cool. C'est 5 portes mais 6 places. Hein. Elle est vraiment bien. Tu l'as laissé où ton sauté? C'était pas déjà tout mangé? Il est dans le micro-ondes. Par contre, je vais sortir. Et Damned a tout mangé. Attends, hop, putain, il a failli m'écraser. Attends, je regarde la taille du coffre.
34 seulement, elle a pas un gros coffre. Non mais par contre il y a plein de sièges passagers. Donc en soi tu peux mettre dessus. Ouais. Qui est-ce qui conduit? Bah c'était moi. Vous êtes sûr que c'est ouvert derrière vous? Ouais je l'ai fait. Non? Bah non, je l'ai fait. Ouvert. Bah. Et je suis pas dans la voiture en fait. Bah oui, moi j'attendais dans la voiture bleue en attendant que Damned vienne mais Ah tu veux que je conduise notre bagnole? Bah non mais c'est pas grave. Attends, je suis comment on fait déjà? Sans c'est V le... voilà c'est ça. Hop. Tu veux conduire ça là Katox? On n'a pas la clé en fait, donc du coup... Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des portes sur le côté, donc on doit plus changer de... Non, on n'est plus obligé de changer de chaise. Mais au final, en fait, bah, tu nous suis avec notre voiture. Attends, je cherche, mais on a zéro clé en fait. On a les clés si, de ces voitures. Il y a celle qui est à l'entrée du garage, mais celle qui est plus dans le fond, je t'ai dit, tu pourras la démonter du coup. Y a pas, on n'a pas la clé. Ah d'accord, ok. Bon bah attendez. Mais celle qui est devant la porte, par contre, c'est bon, elle est sur le contact. Du coup, je suis parti revoir, hein, parce que entre temps, bah, j'ai eu soif. Ouais. Merde, sauter, c'est moi qui l'ai, Katox. Bah, je vais le mettre dans la boîte à gants. Voilà. Si tu montes à l'avant, ou tu peux le voir ou pas. Je vais te le mets sur le siège. Attends, je te le mets sur un siège. Je te le mets sur le siège arrière gauche. Alors, c'est quoi déjà les commandes? Comme ça, comme ça. Comment on ferait? Vas-y, Damned. Bah, regardez la route. Pas du tout. T'es le seul à pas avoir regardé la route? Katox, t'as regardé la route? J'ai regardé vite fait, mais... Attends, parce qu'on part sans le signe. Échanger de place. Ouais, attendez, je... Voilà. Katox, il a regardé la route, autant qu'il conduise. Mais non, autant qu'il me guide. Bah, c'est facile. C'est derrière déjà, tu es dans le mauvais sens. Ouais, plein sud. Tu descends, plein sud. Attention, vous rentrez pas dedans, hein. Ouais, ouais, faites gaffe. Mais non. Plein sud, j'ai des feux allumés, on va couper les feux. La petite route, et tu vas directement partir à l'ouest et tu continues. Roule jamais sur les cadavres, hein. Tu abîmes la bagnole. J'essaie d'éviter, ouais. Bah, sur un parking, t'as pas réussi. Mais où sont-ils partis? Et là on... Pas là, hein. L'autre côté. Ah, ok, pardon, j'ai cru comprendre qu'on rejoignait la rue principale, autant pour moi. Non, ouais, on va partir par là, ça. Voilà, c'est... Bon. Alors ça, c'est un petit chantier. Vas-y, tu suis. On va rester relativement longue distance derrière. Et là, tu continues pendant un petit moment. Non, parce que comme j'ai pris conducteur, il va, devoir reprendre à gauche là parce que tout droit c'est une impasse. Tu vas devoir reprendre à gauche là. Non, ça. Tu l'as pas, tu l'as ouais, là, ouais, là, ah attends. Ouais, là, et ouais, tout droit c'est une impasse là. On n'est pas tout mais on n'est pas encore sur la bonne, mais on est en sens unique inversé là. Si y a un flic, on prend un PV, hein. C'est clair, mais je suis plus flic, je suis pompier. Ah oui, bah nickel. Voilà, tu vas pouvoir rejoindre la route principale. T'imagines le truc. Et si assez d'essence. Oula. Putain. Où je te mets les contraventions, je sors de la bagnole, je te siffle, te mets la contravention. Vous voulez fouiller les deux bagnoles vite fait ou pas? Attends. Y'a personne. Bah, faut que tu t'arrêtes. Hein. C'est bon. Pour pouvoir sortir. Je vais même couper le moteur pour éviter de faire du bruit. Y'a un zombie qui arrive par derrière, mais. Ouais, s'il y en a qu'un. Elle s'ouvre Ouais, un calepin vide, il y a rien de crédit. Hein. Voiture accidentée, mais ils ont pris. voiture accidentée, mais ils ont pris le temps et l'occasion de les verrouiller, quoi. Ah oui, donc rien de spécial, quoi. Non. Bon. Tant pis. On aura regardé au moins. Allez, démarre. Allez. C'est confort de pouvoir monter par les portes arrière déjà, direct. Là, ça passera pas là. Il y a le. Mais poteau, si. Les arbres. Oh, ça passe. Il faut tranquille. Qu'on puisse revenir avec la bagnole. Pas la peine de conduire vite. Hein. Non, non, t'inquiète. Après, j'ai le bon conducteur, donc forcément, il va plus vite que la normale. Mais... Bah, t'es pas obligé d'accélérer, hein. Bah non, mais je donne des à-coups là. Hein. Je suis pas à fond. Hein. Ouais, ça se voit de mon côté, ça lag quand t'avances. Sans qu'il dévie. Ouais, je donne des à-coups. Ouais, mais ouais, elle tient pas la trajectoire, j'ai l'impression. Elle a un pneu. Non, elle a le pneu avant droit qui est mort, je crois. Ouais, je le vois, je regarde. Ouais, elle dévie, hein. Non, non, je t'assure, hein, vraiment. Non, non, mais c'est bien conçu, hein. C'est pareil, le réservoir est un peu mort, donc c'est possible qu'il y ait des petites fuites, mais. Si tu vois des gouttes derrière, tu nous préviendras. Non, c'était le moment de nous le dire maintenant qu'on est parti. Ah non, mais elles sont toutes comme ça. La seule en bon état, je crois que c'est celle que j'ai là. Il y aura un truc de fruits et légumes là. Manger. Est-ce que c'est pas des fruits et légumes tout ça là bien frais? Manger. Voilà. Ouais, il était pas bon mon sauté. Bah si, mais il y a même de la pastèque. Ah, c'est Chubby serait contente si elle était là.
Par contre, il y a plein de trucs déjà pourris. Hein. Moi, je vais en profiter. Je démonte la table. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai un paquet de sucettes, du chocolat, des chewing-gums. En prends. Tout ça, tout pour un superbe petit retrait. Oh, il y a même une balance dedans, quoi. Ça vaut le coup. C'est cool, ça servira peut-être comme... Je peux peut-être faire des trucs avec la balance. Ça, c'est bien. Ouais, bah, sauf qu'on peut pas la démonter, donc... Des bonbons, dommage. Je prends. Dommage. Des chewing-gums et des paquets de sucettes, hein. Il n'y en a plus. Il n'y a pas une petite fontaine à eau ou un truc du style à toi. On peut récupérer les comptoirs des piscines. J'ai une bouteille d'eau. C'est énorme. Non, j'en ai une aussi, mais en attendant de... Il y a de la ferraille dans la poubelle. Ouais. Bon, bah, on a bien pillé, là. Bon, attends, parce que j'ai mis de la laitue pourrie dans le... Ah, là, les trucs pourris, ça pourra servir pour la culture, je crois, pour l'agriculture. Ouais, mais on va ramener d'autres trucs que des trucs pourris, je pense. Oui, on peut se permettre. On aura besoin de faire pourrir encore plus de trucs. Pourquoi j'ai plus accès au coffre? Quand t'as accès au coffre, j'ai pas le droit, moi? Ouais. Parce que je range les paquets de sucettes, mais j'en garde un pour moi. Bon, tant pis, je les laisse. Je viendrai les récupérer à l'occasion, les comptoirs, mais je sais pas ce qu'on peut mettre dedans. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets tout sur le sol? Bah, moi, j'ai rien mis sur le sol. C'est toi qui faisais sur le sol. Oh, merde. Tant pis, je garde tout pour moi. Il fait tout nuit. J'en deviens un cheval. Ça y est, vous êtes parti. On est parti. C'est parti. Tu démarres aussi. Ouais. Je me mets à l'arrière. Quand même. Je serais mieux quand même. Ouais, parce que... c'est tout droit. Au bout d'un moment, la route, elle tourne vers le nord, vers le coin en haut à droite. J'ai regardé la carte, ouais, donc... ouais, d'accord, le fameux. J'ai regardé la carte, donc y'a pas de soucis, je saurais vous retrouver au pire. Okay. Voilà, et c'est les premières maisons de cette ville qui est pas une grosse ville. Alors, normalement, pas grosse ville égale pas gros zombie. Oui. On espère. Malheureusement, on va y arriver en pleine nuit. Ah bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. En tout cas, pour l'instant, la route est plutôt dégagée, ça c'est fait plaisir. Ah bah voyons. Ah, ça manque aux viewers, hein. On a eu des plantes. Hein. Oui, mais il y aura un moment où ça arrivera et vous s'y attendront pas. Et là, parce que là, je le fais, mais c'était plus drôle quand je le fais en même temps dans le jeu, quoi. Là, vous pleurerez. C'est ça. vous appellerez vos mamans. S'il vous plaît, arrêtez tout. Pour l'instant, on peut encore rouler sans phare. Ça va. Alors... Ah oui, j'ai pas allumé mes phares. Bon, mais ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Tu vois rien ou... Parce que moi je vois... Non, ça va. Non, clairement... Moi t'avances un peu, là. Je suis à fond, par contre, maintenant. Bah ouais, la camionnette... Tout à l'heure, t'étais bien à fond. C'est bien ce que pas je pensais. Pas bah voyons. Bah voyons. Il mettait des à-coups. Bah voyons. Il a une capote au milieu aussi. Deuxième zombie. C'est vrai que du coup, sans les feux, ça devient tendu. Ouais, j'allume là. Hop, y'a du monde là. Attention, serre à gauche. C'est à gauche. Après tout, on est éclaireur, donc faut qu'on te le dise. Oh putain, la vache, le lag. Tu t'es téléporté juste devant mon capot. Après, tu serres bien à droite. À droite. Fais bien comme il faut. Parce que tu vas avoir un beau paquet. Je l'ai eu, je vais essayer de vous rattraper. Ah ouais, j'ai faim, j'ai soif, y'a quoi à manger dans la voiture. Je commence à avoir soif. Après, tu serres un peu au milieu à gauche, y'en a juste un qui est sur la droite. Hein. Je commence à voir tes feux arrière, c'est bon. Dans l'un des fauteuils. Faire quoi? Si c'est dans le coffre. Mettre après, quoi? Tu veux mettre un peu. Mais il a toute la bouffe sur lui, Katox. Tu veux quoi? Moi j'ai des bonbons à la menthe, non? Je veux manger des bonbons à la menthe. Bah ouais, en plus dans un trajet, les bonbons à la menthe c'est la base quoi. Sinon j'ai une barre de céréales si tu veux. Elle est longue cette. J'espère. Niveau essence, on va arriver. Ouais, on va arriver à un quart. Bon. Bientôt. Bah, il nous reste un quart? Bientôt. Pas encore. Hop là, tout va bien. Voilà. Attention, ça va commencer à tourner après. Hein. Commence à ralentir, ouais. Ça surprend. Je suis derrière toi. Toi, il y a des panneaux qui avertissent du tournant. Tournant il y avait les panneaux hein, quand même au cas où. Ouais, mais les panneaux, on les regarde plus quand c'est de l'apocalypse. Hein. Je sais pas, t'as eu ton permis, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah bah. Hop, je te dis, apocalypse, je regarde plus les panneaux. Hein. Code de la route, je l'emmerde. Bon, ceux qui sont proches de chez Damnet, si l'apocalypse est là, ne marchez pas sur la route. Ah, il y avait une ambulance! Top, attendez. Attention, je m'arrête, hein! Il y avait pas mal de zombies, par contre, hein! Je vous préviens! Ah là, il y a une ambulance, ça vaut totalement les ennuis! Oula, oui, effectivement, il y a un peu de monde quand même! Hein. Pas grave! Ça fait un fort beaucoup! On va s'en sortir!
Vous êtes sûr? Tout à fait sûr. Je vais vous éclairer quand même, hein. Je vais en marche arrière parce qu'il y a du zombie derrière, hein, tant pis. Hein. On a un mécanicien, mais après tout. Attention derrière toi! Ils morfent pas tant que ça les zombies avec les bagnoles, hein. Putain, on dirait que mon arme s'est cassée, sans déconner. J'ai mis un coup avec et c'est cassé quoi. J'ai plus d'armes, sauvez-moi! Une clé plate, matraque de police cassée, non mais sérieux quoi. J'ai mis un coup avec depuis le début de la partie et déjà elle est pétée quoi. Ils résistent extrêmement bien aux roues les zombies, hein. Un peu trop. C'est pour ça que c'est ta bagnole qui résiste pas. Bah ouais, ce qui est un peu abusé quoi. Bah mais bon, en même temps faut bien que je vous aide, hein. Ah, alors dans l'ambulance, qu'est-ce qu'on va trouver? J'ai des pansements et des bandages dans la boîte à gants, donc au pire. Excellent. Par contre, y en a ou deux qui vont arriver, hein. Aiguille de suture, linge à désinfectant, bandage, porte-aiguille de suture. Pas plus que on deux. On a 5-6 zombies qui arrivent derrière. Moi j'ai plus d'armes, hein, donc. J'en ai une, mais moi, comme le mien il est un peu apeuré, je me méfie parce que quand ils sont apeurés. C'est fouillé l'ambulance, c'est terminé? Bah écoute, elle est fermée sinon. Encore donc. Un Je regarde vite fait s'il n'y a pas quelqu'un qui a les clés, mais j'ai pas l'impression. Et je peux pas la. Ah, y a le mec qui se calme, il y a plus de zombies. Je peux peut-être réussir à faire un truc, quoi. Ouais, elle est complètement pétée, mais je peux peut-être. N'oubliez pas de regarder les bottes. Enfin, parce que vous avez vraiment des, oui, c'est des vrai, bottes, les bottes, chaussures militaires et autres. Et ça peut et vous y sauver en a là, la... tu fais bien de me le dire. Ça peut vous sauver la vie quand il y a un zombie qui tente de vous croquer. J'essaie de démonter la porte avant de l'ambulance, donc si vous êtes, si vous voulez me couvrir. Ouais, pas de soucis. Comme ça. Au moment c'est calme, on a bien nettoyé la zone. Premier qui arrive sera un coup de fourche dans la tête. Ah oh bah ça. Moi je fais confiance au Nick Talon, surtout d'ailleurs. Elle est toute pétée de toute façon, hein, donc. Ah, en fait, tu peux démonter la portière, du coup, si tu réussis, tu peux rentrer dedans. Ah, c'est pas mal ça. Bah, ouais, je pense que j'ai des malus quand elle est fermée. J'ai 35% de chance de réussir, donc. Il a fallu que je démonte la fenêtre avant. La fenêtre de portière, t'es plus résistant. Tu fais comment pour faire ça? Juste pour savoir, tu utilises le truc démonter sur la droite là? La gauche, pardon? Bah, quand tu cliques dessus, quand tu cliques dessus, tu peux faire démonter. D'accord, ouais, bon, faut avoir les connaissances que je n'ai pas, mais. Ouais, il faut des bons outils. En gros, une clé plate, un tournevis et. Ok. Normalement, on peut rentrer dedans là, c'est bon. Et il y a quoi dedans? Il y a des cigarettes dans la boîte avant, c'est tout. C'est une ambulance. Cliché quoi. Cliché de l'ambulancier quoi. C'est ça. Pantalon de costume. Ah, ça doit pas beaucoup protéger ça. Il est où mon cadavre? Il y a moyen de comparer les protections d'ailleurs, vite fait, où on est obligé de montrer le. Ah, si tu mets le curseur dessus, oui, ça te le dit, mais par contre ça compare pas avec ce que t'as. Oui, c'est ça. Vous pouvez enlever tous les cadavres qui sont à gauche? Quelle gauche? Hein? Les enlever? De l'écran. Oui, pour qu'on puisse passer en bagnole sans rouler sur des cadavres à chaque fois. Oh, d'accord. Ouais. Ah, tu vas dégommer ta bagnole? On fait le tour. Ouais. Là, il y a plus de tour possible. Ah merde, attends, je suis en train de perdre de. Merde, je meurs de soif, je suis en train de perdre de la vie comme un con. Je bois un coup. Allez, c'est bon. Ouais, bah, allez. Jeter le cadavre sur toi, tu cliques sur toi, jeter le cadavre. Ouais. Okay. Ah, putain, je trouve que l'interface pour rentrer dans la voiture, elle a perdu, hein. Oh. Je sais pas comment on fait pour activer l'espèce de roue là, où ça fait apparaître tous les trucs. V. C'est V. Merci, merci. J'en ai pas besoin, mais au cas où, merci. V comme vroom vroom faites. Comme vroom vroom aussi. Bon. Vroom vroom. Ou comme voiture. C'est à gauche. Tu veux pas écraser. Ou comme Velociraptor, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Hop là. Dans le contexte. Entre les œufs. Dans le contexte, moi je dis ah, ça passe. Putain. Comme voilà, c'est là. Après encore. Y'a deux bagnoles là.
Non, non, c'est bon, roule, 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 des bagnoles, il y en a partout. Ok. Attends, attends, fais gaffe. Fais gaffe, fais gaffe. Non, ils veulent pas s'arrêter, donc on continue. Ah ouais, pas de soucis. J'avance. Bah, t'as l'air qu'à un moment, faudrait qu'on arrive à la ville. Arbre, mais... Oui, mais à la limite, si on arrive deux jours, c'est pas plus mal, hein. Alors, on va bientôt arriver quand... On y arrive. Le jour ne sera pas très très loin. Ouais, ouais. Certes. C'est toujours aussi compliqué de suivre quelqu'un, par contre, hein, putain. Donc, ouais, les docteurs, les c'est à droite. La librairie, c'est sur la gauche. Bah, d'accord. Et la police station, c'est à gauche, après. Là, cette espèce de giclée de sang qu'il a fait, le zombie, quand il a écrasé. Ouais, c'est clair, ouais, j'ai vu, moi aussi, ouais. J'ai activé le mode ultra gore. Hein. Il n'y avait pas de raison de se priver. Hein. Ah, bah, non, ça se voit. Ouais, s'il n'y a pas de raison de se priver, sauf quand il faut nettoyer ça à l'intérieur. Ah, purée. Ah, pardon pour lui. Ah ouais, oh. Ah oui. Oh, la belle giclée. Oui, ça va. Bon, si on a des zombies à l'intérieur de la base, les gars, ne pas les tuer à l'intérieur de la base. C'est ça. Sortez-les d'abord. Ouais, c'est clair. C'est vous qui nettoyez. Bon, voilà, ah, ça y est. Tu t'es arrêté là ? Ok. Non, je roule. Okay. Non, mais parce que t'étais arrêté au milieu de la route chez moi. Je peux tourner ici. Par là ou là. Pas ? On peut commencer là ? Ouais. Oh, ouais, là, ouais. Un truc de news ? Non. Un truc de journal. Ouais, mais ça, c'est le bar. Ça, c'est le bar. C'est un peu justement, plus loin. C'est pour là que je marche. Ça. Moi, je veux stopper ici. Mais on va pas s'arrêter au bar. Salut. Ah bah ouais, mais t'es avec j'ai pas d'arme. Hein. Je vous laisse nettoyer. Hein. Merde. Derrière toi, Damned. Derrière toi, Damned. Derrière toi, Damned. Ouais, et je crois qu'il a une arme sur lui en plus. Quelque chose qui s'y apparente. Sûr, c'est plutôt dedans. Alors, on a quoi ? On a un râteau à main. Très bien. Bah écoute, j'ai envie de te dire que c'est mieux que rien. Hein ? Ouais, c'est ça. Ah, par contre, je vais rezoomer un peu parce que. Bas transparent, jupe. Aïe aïe aïe, il y a du monde qui arrive derrière. Attention vous, attention derrière vous. Ouais, c'est bon, par là. Ouais, c'est bon. Aïe, je me fais croquer, tiens. C'est vraiment pas simple hein, de. Non, je me suis pas fait croquer en fait, tout va bien. Ou ça a croqué sur un vêtement, une protection de vêtements, je ne sais pas. La bagnole est encore allumée. Ah, bah tiens, qu'il y a des antidépresseurs, ça tombe bien, je suis pas très bien. Il y a marqué open, mais ils ont menti, le bar est fermé. Ah, les salauds. Les demi-tour. Sagouins. Je vais couper les feux aussi. Et attends, il y a peut-être une fenêtre ouverte. Ouais. On peut pas démonter les fenêtres proprement. J'ai faim, j'ai soif, alors faut m'ouvrir ce bar. Ouais, elle est cassée, mais on peut pas les démonter, non. Bon, et puis il faut que je trouve les clés alors, du coup. Bon, on va casser. Bon, bah moi je vais regarder les voitures. Hein. On va retirer le verre brisé, bien évidemment, parce qu'on n'est pas des. Bah, hein. Moi je fouille les cadavres pour voir s'il y a des clés de bagnole. Alors, déjà il y a un billard. Super. Tu peux pas nous ouvrir la porte ? Je vais vous ouvrir la porte, ça va être plus simple. Ah, un kit de couture. Porte était marqué verrouiller la porte, ça veut dire qu'elle n'était pas verrouillée ? Ça veut dire que tu n'as pas cassé la serrure. Ah, d'accord. Mmh. Comme t'étais à l'intérieur, tu pouvais la déverrouiller si tu voulais. Ok, nickel. Ah, on a de la javel. Et vous voyez qu'on n'est pas venu pour rien. Oh, un extincteur. Alors ça, je pense que ça peut servir. Au cas où. Ah ouais, putain, c'est un zombie, ça. Ça me rappelle quelque chose. Ouais, je sais pas quoi. Non. J'ai entendu un bout de croquage. Bah, je suis en train de me faire un zombie au râteau à main, donc si tu veux... Attends. Ah. Voilà. Ça je saigne un petit peu, mais je suis juste égratigné, ça va. T'as des bandages ou je t'en mets ? Ouais, j'ai du tissu, c'est bon. Hop. Bon, est-ce qu'il y avait à bouffer au moins là-dedans ? Il y a des chips. De la bière. Et il y a de la bière surtout, ouais. Il y a des dés. D'accord, ouais. On peut s'en servir pour se détendre, non ? D'ailleurs, une même petite quoi. Bière. Allez, hop, clac. Ah, il y a un jeu de cartes et tout, mais on peut pas s'en servir. Moi, je bois pas d'alcool. Y'a rien à bouffer par contre. Dans les poubelles, y'a un sac poubelle. Et une bouteille de soda vide. Boire, c'est déjà pas mal. Ouais, on peut déjà boire. J'ai des vrais bandages, des aiguilles sutures et j'ai un cartable quand il y a besoin. J'ai une clé 3N de Radiovan. Je prends. Oh ! Oh ! Trop bien. Trop bien. J'ai du vin blanc aussi, s'il y en a qui veulent. Est-ce que je peux pas remplir ma bouteille ? Voilà. On peut remplir la bouteille. Je suis parti à la laverie, plein de zombies. À la laverie ? Oui, juste à côté. Il y a un piercing de nez en or, si vous voulez. Alors du coup, le 3 N van, c'est ce truc-là, du coup. Mais ça, c'est les news.
Dame Ned, c'est toi à côté de moi ? Ouais. Tu prends un peu des risques quand même. Bah ouais, surtout que le mien est un peu agité, donc... Le plein est fait sur la camionnette du 3N-Van. J'ai déverrouillé le coffre, c'est bon. Cool, parce que j'ai plein de trucs à ranger dedans. C'est un gros coffre ou pas ? 106 ! Ah oui, quand même ! Ah, voilà ce qu'il nous fallait. Bah du coup, y a la petite voiture, y a les clés sur le contact. Si une troisième personne veut prendre le truc, je vais prendre la camionnette si ça vous va. Ouais, bah Katax il va la prendre. Ouais non, parce qu'en fait j'ai un problème, c'est que j'ai un truc en forme de dent qui s'est fait sur ma main. Ah. Ah, ça a mal alors, se passer alors. J'ai tenté de désinfecter avec de l'alcool à l'intérieur, mais on va voir ce que ça donne. Pas mal. Balai, ça peut servir ça, non ? Des chaussettes aussi. Ouais, c'est certes. Eh, ici ? Attends, y'a pas des sèches-linges ? C'est ce que j'étais en train de me dire. Des sèches-linges ? Attends, je regarde ce que c'est. Des machines à laver. Toutes ? Y'a des machines à laver, faut en prendre une. Bah ouais, carrément. Oh non, si, y'a des sèches-linges là ! Les quatre là, c'est des sèches-linges. Oh putain ! Mais par contre, faut chalumeau base de soudure. Allez, Katox. Ah mais vous avez pas ouvert la porte ? Ah non, mais c'est mais en tout ça, on sait qu'on va revenir les chercher. On sait qu'il y en a là, quoi. Ah, c'est la base. Balai, chaussettes... On sait grave qu'on va revenir chercher ça. Mais on a toujours pas de générateur électrique, mais... N'oubliez pas de bien... De bien fouiller à chaque fois les... Alors oui, je démonte les portes, je sais, les tables, mais c'est pour monter ma menuiserie. Te fatigue pas trop, on a pas commencé l'exploration. On y va ? Non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Ou on s'arrête là ? Non, on continue un petit peu encore. Oh bah. Une carte de marchage. Et on laisse les véhicules ici pour le moment ? On laisse les véhicules, ouais. Je sais pas. J'ai laissé les clés sur les deux contacts, hein, normalement. Donc... C'est Slan le chef, hein, moi je... Marchage. Ok, oh là là, c'est pas chez moi ça. Non, on va avec les véhicules. Il y a un zombie dehors là. On peut démonter la niche. Mais vous êtes où là ? La maison en face. On est passé dans la maison juste en face, ouais. Juste à mais c'est pas... l'est. Ouais, mais c'est pas ça qu'on doit. On peut pas fouiller toutes les maisons, ça sert à rien. On doit aller faire la bibliothèque, le poste de police, le truc de docteur. Ah, du coup, est-ce qu'on laisse tomber la petite voiture bleue ? Non, on prend trois voitures. Il peut conduire Katax, pourquoi il pourrait pas conduire ? Ok. Tant qu'il est tout seul dans le véhicule, ça va quoi. Par contre, le convoi de 3, ça va être tendu. Hein. Ça va aller. Bah, on attend qu'il revienne, Katax. Katax, tu reviens ? Toujours dans la maison ? Ouais, bah tu peux monter, sauf c'est pour critiquer ma conduite. Hein. D'accord. Sinon, tu vas critiquer celle des autres. Hein. T'as raison. Attendez, faut attendre. Quoi ? Mais non, mais c'est juste, le bâtiment d'à côté. Y'a pas besoin de faire un convoi. Vas-y, tu peux y aller. Bon bah go. Je démarre. C'est le grosso modo, la librairie, c'est le... Alors, c'est le bâtiment à gauche d'après. Ok, je te fais confiance. Genre... Non, pas celui-là. C'est ça. Ah si, The Good Book. Ah bah si, t'as raison. C'est ça. C'est tout petit. Eh oui. Ah bah c'est une bibliothèque, ça prend alors, beaucoup de place. Alors, ne rentrez pas à 3. Vas-y, sors, Slan commence. Je vais manœuvrer pour repartir, parce que là, c'est un truc... Ne rentrez pas les véhicules, restez devant, parce que le parking il est ridiculement petit. Ouais bah en attendant on veut bien rester devant mais il y a du monde hein. Oula et puis ça arrive, merde, on a fait du bruit, ça arrive de l'autre côté de la palissade. Je me garde dans l'herbe, voilà, merde, je coupe le moteur tout de suite. Ouais parce que vous allez voir c'est un petit... Ça arrive beaucoup. Ouais par contre l'avantage c'est qu'ils vont passer par dessus la rambarde, si on arrive à les choper avant qu'ils se relèvent. C'est pas mal. Y'en a un qui s'est relevé derrière vous, attention. Faut avancer, ouais. Oh là là, mais j'arrive plus, il est bloqué mon personnage. Qu'est-ce qui se passe ? Allô ? Ah, je peux plus bouger, je suis mort. Je comprends pas ce qui s'est passé. Il y en a beaucoup là. Ok, remontons les trucs et on va se barrer parce que sinon. Remontons dans les voitures. Mon clavier marche. Oui, mon clavier marche, mais. Rentrez au moins avec les deux vannes. Non, mais j'ai eu un bug, mon personnage est mort. Je n'ai pas compris. Et on n'a pas laissé les clés sur le moteur. Moi j'ai une place dans mon van. J'avais laissé les clés dessus mais... Oh mais c'est abusé quoi, putain, sérieux. Merde. C'est un vrai veau mon van quoi. Je vais essayer de faire demi-tour pour aller écraser quelques zombies si besoin mais...
Comment ça se passe là? Vous êtes moi je crois que ça se passe mal. T'es où, Slan? Slan, derrière toi. Derrière le bâtiment. Derrière toi, c'est bon, je suis là. On te voit pas donc j'ai pas trop envie de m'engager là-dedans. Bah non, mais t'es. Fait chier quoi. Franchement, j'ai pas compris. Bah en fait, quand t'as 3-4 zombies sur ta tronche, tu peux plus bouger quoi. Je suggère de rentrer. Vite. D'accord, bah c'est ce qui s'est passé alors. Ça m'est arrivé 2-3 fois déjà. Je prends que ça m'arrive. Je tourne en rond devant pour essayer de les attirer un peu en attendant que vous puissiez vous dégager. Mais ça va devenir tendu à un moment. Vous en tirez, Slan et Katox? Slan n'entend plus, il est peut-être mort. J'en suis à 70 zombies tués, mais je crois que j'étais mordu au départ, donc... Ah oui, je te vois avec ta fourche sur le parking. Tu veux que je te ramène quelques autres zombies à tuer? Ah putain. Je suis apparu dans un bungalow, dans le brouillard. C'est trop bien. Ouais, on a un brouillard de l'enfer, là. Alors, faut que je regarde ma santé, mais à mon avis, c'est pas bon du tout. Infecté, mordu, voilà là. Bon, faut qu'on finisse la ville. Ah non, mais je vais mourir, il faut que je me soigne tout de suite, d'accord. Mets-toi au moins des bandages, ouais. Hop, bandage. Gaffe, il y a encore des zombies qui traînent devant, hein. Je les ai tournés en rond, mais. Je suis à zéro de vie, donc. D'abord, je me soigne. J'ai plus de bandage. J'ai retrouvé la voiture, la clé du. La clé de la camionnette du... Ouais. Elle fout là tout de suite sur le contact, comme ça, si jamais on repasse, on la cherchera pas. Bon, je suis à zéro de vie. Mais en vie. T'es pas mort. Putain. Non, mais je suis infecté, mordu deux fois. Ah, oh, il y en a plein devant. Ouais, il y en a plein qui arrivent, ouais. J'essaie de les occuper, mais c'est tendu, quoi. Du coup, j'écrase un peu, hein, désolé. Mais bon, c'est bien. Je sais qu'on a dit qu'il fallait pas le faire, mais à un moment. Alors attention, ça c'est Slan, il faut pas l'écraser. Bah en même temps tu sais. Ah mais pour l'instant tu fais des dégâts avec ta fourche donc on va essayer de pas t'écraser. De toute façon moi avec mon râteau à main, je suis plus efficace avec le van. Hein. Attends t'es où? T'es là. Ah, le brouillard de l'enfer. C'est le même brouillard que dans la vraie vie. Mon van il est tellement lent, je l'ai fait à peine tomber les zombies quoi. Ah il commence à galérer. J'ai des petites alertes. Quand le tableau de bord clignote en général c'est pas bon. Mon van. Les véhicules sont plus importants. Et il y a une alarme. Pourquoi il y a une alarme? Qui c'est qui a déclenché une alarme? Je sais pas. Et il y a plein de zombies derrière. Ah bah là avec l'alarme faut se tirer hein. Bon, je monte dans le van et je me casse. J'ai fait un. Prends la voiture ou. Bah attends parce qu'ils vont peut-être être attirés par l'alarme. Ouais mais l'alarme elle je est sur si... le. Elle est sur le. C'est le truc de livre là l'alarme. Clairement. Non. Bah écoute, quand je m'éloigne, ça sonne pas donc. C'est pas la police d'à côté? Je suis pas convaincu. Y'a pas de livre là-dedans, c'est quoi? J'ai déjà fait un tour avec les premiers livres, j'essaie de. Fais gaffe, t'as plein de zombies au cul de ton van. Hein. Ils sont en train de rattraper le van là, ils vont commencer à attaquer les vitres, c'est bon. Pire, tu recules, hein. Parce que bon, de toute façon, s'il cogne sur le van, il l'abîme, hein. Donc. Bon, l'alarme s'est arrêtée, mais il y a masse de zombies qui arrivent de gauche. Bon, on rentre. Moi, j'ai réussi à prendre. Quelqu'un peut venir à l'arrière de la bibliothèque pour que je me décharge parce que là, je porte 27 sur 29. Ah ouais, t'es tendu là. Attends, j'arrive. Je vais essayer de passer. Par contre, je te vois pas à l'arrière de là, donc j'y vais. Mais ah bah la voiture bleue, elle est là, je peux mettre dans le coffre. Ouais. Il est bien plein, je crois déjà. Sinon, j'arrive derrière avec le van là. Ah putain, ça va être tendu par contre pour passer. Je vais devoir ressortir en marche arrière. T'as plein de bonhommes. Merde.
J'en ai déjà plein avec moi, bon moi je vais rentrer parce que sinon... Ouais là c'est tendu du stream hein. Ah non mais il y a une horde, là il y a une horde qui arrive hein, faut se barrer. Ouais. Il y a une horde de ton côté Katox, il y a une horde derrière moi aussi. Ouais donc prends la voiture bleue et Cassos parce que sinon... Je peux pas monter dans la voiture bleue, les zombies sont autour. Attends, et puis de toute façon je vais quand même finir par mourir. De toute façon tu vas finir par mourir ouais, donc au pire... Maman. Dépose tes trucs et puis tant pis on viendra. Hein. Et j'essaie de les atterrer mais... Ah c'est mort. Est-ce qu'il y a les clés sur la bagnole? Normalement la voiture. Oh, putain l'enfer, le brouillard, on voit même pas la route. Je sais pas démarrer. Comment ça faut insister. Ouais, il faut insister un peu avec la chevalier d'art, ouais. Elle a du mal. Ils ont tous du mal. Allez, on y va. Mes deux bandages sont sales. Parce que moi je... J'essaye d'ouvrir un peu le chemin, mais c'est compliqué, il y a du monde sur la route. Hein. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on arrête l'épisode, en vrai. Du coup, on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. Hein. Une fois de plus, on a quasiment aucun mort. Quasiment aucun mort. On aura des morts dans quasiment, le peut-être, ouais. Peut-être lors du prochain épisode. Ah, mais il y a tellement de gens sur la route. Personne dans cette ville. Et puis alors avec le brouillard, c'est catastrophique. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à aller voir Slan se faire boulotter la tronche sur sa vue, sur sa chaîne. Et puis on se dit à tout de suite pour la suite. Salut. À plus tout le monde.